Mesdames et messieurs, chers participants, l'important rôle stratégique que joue le secteur agricole dans la stabilité économique et sociale des pays du Sahel n'est plus à démontrer. Par ailleurs, la contribution de notre secteur agricole à l'amélioration des conditions de vie des populations concernées, mais aussi à la croissance économique de ces pays, est d'une importance capitale pour soustraire nos populations rurales de la précarité qui a tendance à la stigmatiser. C'est pourquoi, conscient des nombreux défis qui handicapent l'épanouissement de notre secteur agricole à travers la difficile atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les États membres du CILS ont convenu de mettre en place le présent programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ainsi, cette décision permet la réalisation de l'objectif zéro faim en 2032 de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel. La durée de mise en œuvre du PDRS, faut-il le rappeler, est de 20 ans dans un processus de phases successives de 5 ans. Son objectif global est d'éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës et chroniques en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base et enfin à construire un patrimoine permettant de renforcer durablement leurs moyens d'existence. Mesdames et messieurs, en termes de bilan de réalisation physique, le projet 1 PDRS a réalisé avec les engagements financiers les actions suivantes. 54 systèmes hydrauliques villageoises améliorés, 27 systèmes hydrauliques pastorales améliorés, 12 aires d'abattage modernes, 10 boutiques d'aliments bétail, 11 centres de collecte de lait, 33 banques de céréales, 32 boutiques d'intrants agricoles, 45 salles de classe, 30 plateformes multifonctionnelles, 6 marchés à bétail, 14 parcs de vaccination, 8 unités de séchage et de conditionnement des produits agricoles, 6 marchés ruraux et enfin 5 CESCO. La mise en valeur optimale et équitable de ces infrastructures et équipements contribuera indéniablement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, avec un accroissement substantiel des moyens d'existence durable des populations bénéficiaires. Mesdames et messieurs, le PTBA de l'année 2022, soumis à votre examen, intègre cette réalité et sera consacré essentiellement au suivi et évaluation de l'exploitation des infrastructures agricoles, pastorales et socio-économiques de base réalisées par le projet. La poursuite du processus de transfert de propriété aux collectivités territoriales concernées des sous-projets d'investissement. L'appui et l'accompagnement des collectivités territoriales concernées dans la mise en valeur durable et équitable des infrastructures et équipements réalisés. La réception définitive des infrastructures réalisées dans les cercles de Nioro et de Sahel et de Panama. La facilitation des projets en cours d'évaluation et enfin la poursuite des activités de gestion du projet. Mesdames et messieurs, chers membres du comité national de pilotage, au nom du ministre du Développement rural, je vous invite à analyser et méticuleusement l'ensemble des documents qui sont soumis à votre appréciation en vue d'une clôture harmonieuse et cohérente de la première phase du PDRS qui s'achève. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 7e session ordinaire du Comité national de pilotage du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, composante au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie.